Les histoires de Peppa Pig. Sautons à pieds joints. Est-ce que les volcans existent, Madame Gazelle? Évidemment. Mais surtout, soyez tranquilles, les enfants. Il n'y a aucun volcan près d'ici. Hourra! Si ce n'est les faux petits volcans que nous allons fabriquer pour notre petite expérience scientifique d'aujourd'hui. Nous allons créer nos volcans avec de la colle et du papier journal, comme ceci. D'abord, vous plongez le papier dans la colle, puis vous le collez au bécher. Et voilà notre magnifique volcan! Tout le monde s'amuse en fabriquant son volcan. La colle est très collante et salissante. Et très vite, tout le monde a terminé. Merveilleux, les enfants! Maintenant, il est temps de peindre vos créations. Peignons le nôtre en rouge, Peppa. Ouf. Et le nôtre en bleu. Miaou. Vert, comme un grand arbre. Les vrais volcans sont gris et sombres, avec de la lave rouge. Mais Peppa et ses amis fabriquent de petits volcans joyeux et colorés. Il est temps de passer à l'expérience scientifique. Mais d'abord, tout le monde doit mettre des gants, des lunettes et des vestes spéciales pour travailler en sécurité. Vous avez tous l'air d'ingénieux scientifiques, les enfants. Maintenant, nous sommes prêts à créer de la lave. Mais soyez tranquilles, la lave que l'on va créer n'est pas réelle. Vous êtes en sécurité. D'abord, on verse un peu de vinaigre dans nos volcans. Attention à ne pas en renverser. Parfait. Et maintenant, je vais ajouter un ingrédient magique secret dans chacun de vos volcans. Personne ne sait quel est cet ingrédient magique si spécial. Enfin, prenez votre pot de bicarbonate de soude et versez-en un peu à l'intérieur du volcan. Puis on s'écarte. Le volcan de Madame Gazelle entre en éruption, tout comme un vrai volcan. C'est à vous, les enfants. Ouais. Wow. La lave est rouge. La nôtre est bleue. La lave de Candy Cat et Gérald Giraffe est verte et toute mousseuse. Je crois qu'on a fait trop de lave. Non, Candy, tu as créé une flaque de boue. Tout le monde s'amuse en fabriquant son volcan. Mais tout le monde adore créer des flaques de boue colorées. Aujourd'hui, la classe de Peppa fait une sortie au lac. Les enfants vont apprendre à ramer. Désolée, les enfants. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Bonjour. Vous êtes prêts à faire du canoë aujourd'hui? Oh oui! Les canoës sont juste là. Allons-y! Oui! Tout le monde porte des gilets de sauvetage et des casques pour rester en sécurité sur les bateaux. Vous m'avez l'air prêt à partir. Oui! Peppa, Suzy et Pedro, vous viendrez dans le canoë rouge avec moi et Grand-Pa Rabbit. Et donc, Mandy, Emily et Danny, vous irez dans le canoë bleu avec moi et le Capitaine Dog. Pour ramer, vous devez placer ce bâton qu'on appelle une rame dans l'eau et tirer comme ceci. Et hop! Oui! À vous d'essayer. Tout le monde est très content de faire du canoë. Mais personne ne rame en même temps. Pourquoi le bateau reste immobile, Mademoiselle Capitaine Rabbit? Tout le monde doit ramer en même temps comme ceci. Quand je dis « et
on pousse, et quand je dis hop, on tire. Essayons tous ensemble. Et hop! Très bien! Le bateau navigue le long de l'eau. Tout le monde travaille en équipe. Tout le monde s'amuse beaucoup sur les canoës. Mais il est bientôt l'heure de rentrer. Maintenant, il est temps de regagner le rivage, les enfants. Vos parents sont venus rien que pour vous. Squeak, on peut faire la course jusqu'au bar? C'est une excellente idée, Mandy. Est-ce que tout le monde est prêt? Prêt! À vos marques! Prêt? Bravo! Tout le monde rame aussi vite que possible jusqu'au rivage. Peppa aide ses amis à ramer ensemble. C'est parti! Allez! On y est presque! C'est très serré! Et l'égalité! Bravo les enfants! Formidable! Ouais! Tout le monde adore le canoë. Et tout le monde adore travailler en équipe. Peppa et sa famille font une sortie en voiture. Mais ils ont un petit problème. Oh, ce n'est pas vrai, la voiture ne redémarre plus. Vous êtes en panne? Pas de souci, je vais vous emmener au garage. Je reviens tout de suite. Monsieur Boule remorque la voiture pour la faire réparer. Georges et Peppa adorent être remorqués. Ah ah! C'est pas vrai. J'ai compris. Bonne nouvelle. On peut la réparer. Ah, ouf. Mais nous devons commander une nouvelle pièce. Ça ne sera pas facile et pas donné. C'est pas vrai. Ça prendra longtemps, vous pensez? Ça prendra... le temps nécessaire. Mais comment je vais me rendre au travail? Nous avons plein de voitures disponibles pendant que nous réparons celle-ci. Suivez-moi, les amis. Il y a beaucoup de voitures à disposition dans le garage. Choisissez celle que vous voulez. Oh, une moto! Mais voilà qui est parfait. Je vais vous emmener faire un petit tour dans le coin. Papa Pig adore monter à moto. Bonjour, Madame Gazelle. Mais à moto, on n'est pas à l'abri de la pluie. Peut-être que quelque chose de plus robuste serait parfait. Essayons celle-ci. Peppa a trouvé un Monster Truck, une voiture très très robuste. Oh, malheureusement, j'ai bien peur que le Monster Truck soit un peu plus gros que nécessaire. Et que pensez-vous d'un joli modèle spacieux, comme ce bus? Maman Pig aime vraiment le bus. Il est tellement spacieux et apaisant. Oh, mais oui! Mais tout le monde le prend pour un vrai bus. Il ne reste qu'une seule voiture que Peppa et sa famille n'ont pas essayée. Elles sont mauvaises! Eh bien, c'est parce que c'est le camion avec lequel je récolte les déchets. Vous ne pouvez donc pas le prendre, je suis désolé. Malheureusement, je doute qu'on trouve une voiture aussi parfaite que la nôtre. Eh bien, vous avez de la chance. Vous avez mis si longtemps à choisir une nouvelle voiture que nous avons pu réparer la vôtre. Merci beaucoup, Monsieur Boule. Merci, Papy Dog. La famille de Peppa adore conduire différentes voitures. Mais celle qu'ils aiment le plus, c'est la voiture familiale. Aujourd'hui, Peppa et Georges partent pique-niquer avec Mamie et Papy Pig. C'est presque fini. C'est la première fois que Peppa est chargée d'emballer le pique-nique. Ça va aller, Peppa? Je veux apporter tous mes jouets au pique-nique. Mais ça ne rentrera jamais. Es-tu sûre qu'il te faut vraiment tous tes jouets? Oh non, tu as raison. Je vais simplement apporter Teddy, en fait.
Dinosaures et dinosaures. C'est merveilleux, car nous n'aurions plus de place pour la nourriture si vous apportiez tous vos jouets. Quel genre de nourriture veux-tu préparer pour le pique-nique, Peppa? Oh, et si on faisait des spaghettis? J'adore les spaghettis. Les spaghettis ne sont pas très conseillés pour un pique-nique. Que penses-tu de sandwich? Les sandwichs aussi, j'aime beaucoup. Quel est ton sandwich préféré, Peppa? À la confiture. Peppa, George et Mamie Pig préparent des sandwichs à la confiture. Ouais. Est-ce qu'il faut autre chose pour le pique-nique, Peppa? On doit apporter une nappe de pique-nique bien douillette. Tu peux en trouver une, papy? À vos ordres, Peppa. Oh, non! Préparer des sandwichs à la confiture est très salissant. Et tout nettoyer a mis encore plus de désordre. Pas de soucis. Comment faire des sandwichs à la confiture sans un peu d'éclaboussure? Les sandwichs de Peppa sont en forme de triangle. Ta-da! Et ceux de George en forme de dinosaure. J'ai trouvé la nappe. Alors, est-ce qu'il nous faut autre chose, Peppa? Il nous faut aussi des gobelets pour notre jus d'orange. Félicitations, Peppa. On dirait qu'on a tout ce qu'il nous faut. On va s'amuser comme des petits fous. Oh non, il pleut. Ce n'est pas drôle de pique-niquer sous la pluie. Oh, c'est pas vrai. On fera notre pique-nique à l'extérieur plus tard, Peppa. Et si on faisait un pique-nique à l'intérieur à la place? Peppa a tout préparé pour pique-niquer à l'intérieur. Maintenant, on peut pique-niquer même quand il pleut. Et tous mes jouets peuvent venir avec nous. Pique-nique! Tout le monde adore le pique-nique de Peppa. Et Peppa a adoré le préparer pour sa famille. Bonjour tout le monde, je suis Peppa la dentiste. Je vais vous aider à prendre soin de vos dents. Aujourd'hui, Mademoiselle Rabbit est venue parler des dents à Peppa et ses camarades. Peppa fait semblant d'être dentiste. Ah, je vous ai eu. Merci beaucoup, Peppa. C'est bien, tu as réussi à attraper tes dents. Qui sait ce qu'il faut faire pour en prendre bien soin? Aller chez le dentiste. C'est exact. Qui est déjà allé chez le dentiste auparavant? Gérald de Girafe n'est jamais allé chez le dentiste. Je peux montrer à Gérald comment ça se passe chez le dentiste, Mademoiselle Rabbit? J'y suis allée plein de fois. Excellente idée. Peppa fait semblant d'être la dentiste et Gérald joue le patient. Bonjour, Monsieur Gérald. Venez vous asseoir sur cet énorme siège. Merci beaucoup, Madame la dentiste. Voici votre serviette. Oh, pourquoi il me faut des lunettes, Madame Peppa? À cause de la lumière. Veuillez ouvrir bien grand, comme ceci. Ah, que je puisse voir toutes vos dents. Oh. Peppa utilise la lampe torche pour regarder les dents de Gérald. Vous avez de très belles dents, Monsieur Gérald. Vous avez mérité un autocollant. Merci beaucoup. Ouais! Bravo, Peppa et Gérald. Est-ce que quelqu'un sait comment prendre soin de ses dents à la maison? On peut se brosser les dents. C'est ça, Suzy. Brosser ses dents les rend toutes propres. Et si on s'entraînait à brosser nos dents? Ouais! Mademoiselle Rabbit donne une brosse à dents à tous les enfants pour qu'ils s'entraînent à brosser leurs dents. D'abord, on mouille sa brosse. Ensuite, on ajoute du dentifrice. Tout le monde ajoute une pointe de dentifrice sur sa brosse à dents. Mais Candy en a mis beaucoup. Et maintenant, qu'est-ce que l'on doit faire? On doit... brosser!
N'oubliez pas de brosser devant et sur les côtés. En haut et aussi en bas. Bravo les enfants. Ouais. Tout le monde a bien travaillé aujourd'hui. Vous avez tous gagné un autocollant. Peppa aime bien jouer le dentiste, mais elle aime beaucoup les autocollants. Alors, dites-moi, qui est prêt pour une aventure au bord de la mer ? Moi ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font une sortie. Oh ! C'est pas vrai, je crois que j'ai oublié de mettre de l'essence dans la voiture. Ce n'est pas grave, nous n'avons qu'à prendre le train pour aller à la plage. Ouais ! Peppa et sa famille prennent un train pour aller à la mer. Billet, s'il vous plaît. Nous partons pour la mer en train. Parce que maman n'a pas mis d'essence dans la voiture. C'est formidable, j'adore le bord de mer. Il me semble que c'est l'heure de déjeuner. Peppa, allons chercher le wagon-restaurant. Papa Pig et Peppa traversent le train jusqu'au wagon-restaurant. Le train gigote beaucoup. Oh, ce wagon doit être pour les passagers qui veulent dormir. Oh, ce wagon doit être pour les personnes qui veulent jouer dans le train. Waouh ! Salut Danny, salut Gérald. Oh, ce doit être le wagon cinéma. Excusez-moi. Peppa et Papa Pig ont trouvé le wagon restaurant. Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent déjeuner. Oh, c'est ton ventre qui gargouille, papa? J'ai bien peur que le train ne soit en panne. Oh, c'est pas vrai. Nous allons devoir prendre le bus. Maintenant, Peppa et sa famille attendent le bus pour se rendre à la mer. Tout le monde à bord! Prochain arrêt, le bord de mer. Ouais! Le bus est tombé en panne. Je crois que quelqu'un d'autre a oublié l'essence. Comment va-t-on faire pour aller à la mer? Eh bien, on n'a qu'à marcher. La mer se trouve juste en bas de la colline. C'était la meilleure sortie à la mer de ma vie. J'ai hâte de voir comment on va rentrer à la maison. Peppa et sa famille regardent un film au cinéma. J'aille aux toilettes. Très bien, Peppa. Allons à celle qui se trouve juste à l'extérieur. Papa Pig, nous allons chercher des toilettes. Des toilettes, excellente idée. Oh, mais c'est pas vrai, ils ont fermé les toilettes pour les nettoyer. Mais je dois y aller maintenant. Il y a des toilettes publiques en bas de la rue. Suivez-moi, tout le monde. Allez. Peppa et sa famille ont enfin trouvé des toilettes. Voilà les toilettes, Peppa. Faisons la queue. J'ai bien peur que cette longue queue commence tout là-bas. Mais la queue pour les toilettes est très, très longue. Et je suis pas sûre de pouvoir attendre aussi longtemps. Bien sûr, il y a des toilettes au supermarché. Essayons d'aller là-bas. Peppa, Maman Pig, Papa Pig et George cherchent des toilettes absolument partout.
Il cherche au supermarché. Oh! Ha ha! Oh! Il cherche aux eaux. Désolé, Peppa, ces toilettes ont besoin d'être réparées. Même dans le magasin de toilettes. Je suis désolée, ma petite Peppa, mais ces toilettes ne servent qu'à être exposées. C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à trouver de toilettes. C'est pas vrai, moi aussi j'ai envie d'aller aux toilettes maintenant. Comme moi. Regardez, les toilettes du cinéma sont à nouveau ouvertes. Hourra. Peppa et sa famille sont enfin de retour pour regarder le film. Mais le film est déjà terminé. On dirait bien que nous allons devoir le regarder depuis le début. Mais avant, quelqu'un a-t-il besoin d'aller aux toilettes? Oh, 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 attention! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au parc aquatique. Bonjour les enfants. Bonjour Mademoiselle Rabbit. Avant que vous alliez vous baigner, j'ai quelques règles importantes à vous apprendre. Mademoiselle Rabbit explique aux enfants comment rester prudent dans la piscine. La première règle est défense d'éclabousser. On n'éclabousse pas, Monsieur Boule. Oups, désolé Peppa. Désolée, Mademoiselle Rabbit. Ce n'est pas grave, Monsieur Boule. La deuxième règle est défense de courir. Oh, enfin, Monsieur Boule, il ne faut pas courir. Encore désolé. Monsieur Boule ne connaît aucune des règles. Et la dernière règle est... Tout le monde doit passer une journée fantastique. Oh, oups. Passez une très bonne journée, Monsieur Boule. Oh, j'y compte bien, Peppa. Profitez bien de la piscine, les enfants. Par quoi devrait-on commencer? Allons faire du toboggan. Ouais. Tout le monde a hâte de descendre sur les toboggans. C'est encore moi. Qui veut faire du toboggan? Moi! Vous avez de la chance, les enfants. Il y a un toboggan pour chacun d'entre vous. Oh oui, faisons la course. Bonne idée. Heureusement, j'ai apporté mon drapeau. À vos marques. Prêt? On descend. Et Danny Dog prend la tête. Suivi de Peppa, puis de Gérald de Girafe et Suzy Chip qui sont derrière. C'est terriblement serré. Une course de toboggan dans les règles de l'art. Coucou, mamie! Coucou, Monsieur Boule! Ils approchent de la ligne d'arrivée. Ils sont de coude à coude. Mais qui sera le premier? C'est... un match nul! Tout le monde a gagné. Peppa et ses amis adorent les toboggans. Mais ils ont oublié la première règle du parc aquatique. Défense d'éclabousser. Peppa et ses amis sont au cinéma. Ils viennent de regarder un film intitulé « Les légumes de l'espace 2 ». Sois tranquille, Pedro, je viens à ton secours. Tout le monde a tellement aimé le film que chacun fait semblant de jouer dedans. Vous
tout le monde a vraiment hâte de se déguiser pour jouer à ce jeu. Pedro Pony est un astronaute. Suzy Sheep est un robot. Gérald Giraffe est un alien. Et Peppa, un héros de l'espace. Allons dehors et faisons comme si nous étions sur la Lune. Ouais. Suivez-moi. Piou, piou. Peppa et ses amis imaginent qu'ils sont sur la Lune, tout comme dans le film. Tout le monde s'amuse bien à faire semblant de flotter sur la Lune. Oh, bonne idée, Gérald! On peut utiliser des voitures fusées pour se déplacer! Oh mince! Il n'y a pas assez de voitures fusées pour tout le monde. Est-ce que tu veux monter dans ma voiture, Suzy? Suzy imagine que ses bottes sont équipées de fusées. Maintenant, tout le monde a un moyen amusant d'explorer la Lune. Mais qu'est-ce qu'on cherche exactement sur la Lune? Bip! Tout ce qu'il y a sur la Lune, c'est la Lune! Bip! Bip, bip! La Lune est faite de fromage. On peut peut-être en trouver pour le déjeuner. Bien sûr! Oh! C'était quoi ça? Peut-être... de la Lune. Non, Peppa, je suis ton papa. Et je vous ai apporté des bons sandwichs au fromage pour le déjeuner, miam. Tout le monde adore faire semblant de jouer sur la Lune, mais tout le monde aime encore plus l'heure du déjeuner. Peppa et ses amis vont jouer sur la balançoire à bascule. Arrêtez les enfants! Oh! Est-ce qu'il y a un problème, Monsieur Boule? Je finis simplement de réparer la balançoire, Papa Pig. Là, maintenant, elle est comme neuve. Vous pouvez jouer à gogo! Ouais! Peppa adore jouer sur la balançoire à bascule. Vous voulez jouer avec moi, Monsieur Boule? C'est amusant! Moi? Pourquoi pas? Avec plaisir! Elle est bien réparée, après tout! Oh, c'était vraiment bien. Mais comment vas-tu redescendre? Vous devez vous lever pour que Peppa puisse redescendre. Vous comprenez, Monsieur Boule? Oh, comme ceci? Oui. Oh. Oh. Monsieur Boule est coincé en bas de la balançoire à bascule. Monsieur Boule est un adulte et Peppa est petite, donc la balançoire à bascule est déséquilibrée. Il faut quelque chose de lourd du côté de Peppa. Sapristi, comment sais-tu tout ça? Je suis un petit malin. Oh? Alors, très bien. Le sac à dos de Peppa la rendra plus lourde. Oui! On est aussi haut que les nuages. Monsieur Boule est toujours coincé en bas de la balançoire à bascule. Après tout, ça peut être amusant en bas aussi. Quelle superbe vue de la pelouse. Il faut qu'un autre adulte vienne jouer avec Monsieur Boule. Miaou. Ah. Je me demande bien où on va trouver un autre adulte par ici. Papa, tu es un adulte, toi aussi? Oh, mais oui, c'est exact. Je vais jouer avec vous, Monsieur Boule. Oui. Papa Pig et Monsieur Boule sont tous les deux des adultes. La balançoire à bascule est donc équilibrée et bascule de haut en bas. Stop! Vous ne vous amusez pas, Monsieur Boule? Si, je passe un merveilleux moment. Je voulais juste apprécier la vue. Okidoki, on y retourne. Oui, on file dans les airs.
Bonjour le soleil. Bonjour l'herbe. Bonjour les nuages. Bonjour Peppa. Bon bonsoir. Je vous souhaite une joyeuse Pâques, les enfants. Joyeuse Pâques, Madame Gazelle. Aujourd'hui, Peppa et ses amis font de nombreuses activités pour Pâques. Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial pour vous. Mademoiselle Rabbit. Bonjour les enfants. Le lapin de Pâques m'a envoyé pour jouer à quelques jeux de Pâques avec vous. Mais d'abord, nous devons tous nous transformer en lapin de Pâques pour la journée. Oh, je vois que tu es déjà un lapin de Pâques, on dirait. Maintenant, qui veut décorer quelques œufs de Pâques? Peppa et ses amis peignent des œufs en bois. Rappelez-vous, les enfants, vous pouvez décorer votre œuf de Pâques comme vous le souhaitez. Bonjour, monsieur l'œuf. Mince, on dirait que Danny Dog a reçu par erreur un véritable œuf. Danny, qu'est-il arrivé à ton œuf? Ouaf! Eh ben, on dirait que j'ai appuyé un peu trop fort sur l'œuf. J'en ai un autre à te donner. Très bien, mes lapins, suivez-moi. Peppa et ses amis sont sortis jouer à un jeu très spécial pour Pâques. Bien, nous allons jouer au bunny bowling. Faites rouler vos œufs sur le sol et voyez combien de lapins quilles vous pouvez faire tomber. Bien essayé, monsieur l'œuf. Un peu trop haut, je crois. Gâteau, ces médailles sont en vérité en chocolat. Y a-t-il un autre prix pour celui qui mangera le plus de chocolat de tous? C'est officiel. Peppa et ses amis adorent Pâques. Pedro Pony, Candy Cat, Mandy Mouse, Gérald Giraffe et Danny Dog jouent au football. Regarde, maman, mes amis jouent au football. Salut, Peppa. Tu veux jouer avec nous? Avec plaisir. Celui qui marque le plus de buts gagne le trophée. Peppa adore les jolis trophées. Dis, Peppa, est-ce que tu veux jouer dans notre équipe? Non, merci, les copains. Je préfère jouer toute seule. Tu ne devrais pas jouer toute seule, Peppa. Mais comme ça, je pourrais garder le trophée pour moi. Peppa va donc jouer seule contre tous ses amis. Peppa, tu devrais essayer encore. Je devrais peut-être tirer encore plus fort. Presque. Recommence, Peppa. Tiens, et si j'utilisais mon autre pied? Tu dois marquer avec la balle, pas avec ta chaussure. Quick. C'est trop difficile.
Et si tu essayais d'aller dans les cages? Ça, c'est une bonne idée, maman. Je ferai une excellente gardienne. Maman, pourquoi ils arrivent toujours à marquer des buts et pas moi? Vois-tu, Peppa, le football, c'est un travail d'équipe. Et tu ne peux pas faire un travail d'équipe si tu n'as même pas d'équipe. Je peux rejoindre votre équipe, s'il vous plaît? Oh, évidemment! Peppa, on a un autre maillot, juste pour toi. Waf waf! Hourra! Mais alors, qui sera le gardien? Moi! Essayez de marquer pour voir. Ouais! Tu as marqué, Pedro! Tu mérites le trophée! On a tous marqué ensemble, Peppa! Travail d'équipe! C'est vrai! Vous avez tous gagné le trophée. Ça va aller, Peppa. Aujourd'hui, Peppa a trouvé une vidéo d'elle quand elle était bébé. J'étais bruyante quand j'étais bébé, pas vrai, papa? Oh, oui, tous les bébés le sont de temps en temps. Ça alors, ça devait être quand j'étais enceinte de Georges. Une sainte? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était encore dans mon ventre. J'ai une idée. Qu'est-ce que tu fais, Peppa? Regarde, maintenant, moi aussi, j'ai un bébé dans mon petit bidou. Très bien, Peppa. Maintenant, que font les gens qui ont un bébé dans leur bidou, maman? J'avais souvent des envies étranges. C'est quand tu as vraiment envie de manger certaines choses. Miam! Peppa a décidé d'avoir une envie elle aussi. J'ai vraiment envie de manger des spaghettis. Peppa trouve les envies délicieuses. C'était vraiment exquis, ces spaghettis. Qu'est-ce qui se passe d'autre quand on a un bébé dans son ventre, maman? Eh bien, j'étais souvent très fatiguée. Donc, de gentilles personnes m'offraient leur place pour que je puisse m'asseoir dès que j'en avais besoin. Oui, Peppa? J'ai un bébé dans mon bidou et je suis très fatiguée. Alors tu dois me laisser ta chaise, s'il te plaît, papa. Bon sang, je vois, et voilà, hop. Et de temps en temps, j'avais mal aux pieds. Donc Papa Pig me faisait des massages. Peppa aime l'idée d'un massage de pieds. Papounet, j'ai très mal aux pieds, donc j'aurai besoin d'un massage, s'il te plaît. Oh, eh bien, je devrais me mettre au boulot. Un peu par ici, un peu par là. Les massages de Papa Pig ressemblent plus à des chatouilles. Mais il est aussi arrivé autre chose quand Maman Pig était enceinte. Qu'est-ce que c'est? À la fin, un bébé est sorti. Tati Pig est venue rendre visite avec bébé Alexandre. Coucou bébé Alexandre. Je faisais semblant d'avoir un bébé dans mon bidou. Mais maintenant, on peut faire comme si t'étais mon bébé. Les vrais bébés font beaucoup de bruit. Donc, je vais plutôt garder mon coussin. Je t'ai presque eu. Peppa fait tout pour ouvrir une piñata et récupérer les friandises cachées à l'intérieur. Car aujourd'hui, Peppa et ses camarades découvrent une fête mexicaine appelée Cinco de Mayo. Oh, vous voilà les enfants. Il nous faut plus de décoration dans la classe si on veut que la pièce soit plus jolie. Allons fabriquer des pompons en forme de fleurs. Pompons!
J'adore ce mot, moi. Attachez simplement le bout de carton au milieu de la boule de tissu et c'est parfait. Fabriquer la fleur. Je vais t'aider un peu. Oh, c'est très... Oh, c'est bien difficile. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a fabriqué plein de pompons en forme de fleurs. Waouh, on en a vraiment trop fabriqué. Mais bien sûr que non. Maintenant, on dirait que notre salle de classe est encore plus jolie. Oh, j'ai une idée. Et si on fabriquait un délicieux guacamole? Guacamole? Du guacamole. C'est une recette mexicaine à base d'avocat que vous pouvez manger avec des carottes, des concombres ou des chips spéciales appelées tortillas. Guacamole. 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 Madame Gazelle épluche un avocat et ajoute un peu de jus de citron vert et de sel dans le saladier. Maintenant, il suffit de tout écraser et mélanger. Du bon guacamole, waouh! Est-ce que quelqu'un veut goûter le guacamole? Avec plaisir! Délicieux! Quel délice! Guacamole! Quel délice! Guacamole! Tout à fait, Peppa! Un autre excellent moyen de célébrer Cinco de Mayo est de chanter! Quel délice le guacamole! Quel délice le guacamole! Quel délice le guacamole! Et la danse est un autre aspect important de Cinco de Mayo! Peppa a brisé la piñata et tous les bonbons en sont sortis. Peppa s'amuse bien pour son premier Cinco de Mayo. Mais par-dessus tout, elle adore... Peppa joue à des jeux avec ses amis. J'adore le jeu des pères parce que je n'arrête pas de gagner. Eh bien, moi, je ne l'aime pas du tout. Peppa aimerait gagner à un jeu. Père, oui! Je sais! Jouons plutôt à serpent et échelle. Youhou! Serpent et échelle! Mais j'étais en train de gagner! Un, deux, trois, quatre! Vous allez voir, je vais gagner! J'avance de deux cases. Je vais pouvoir monter à l'échelle. Je suis presque arrivée à la fin. Regardez tous. Maintenant, c'est à toi de jouer, Rebecca. Oh non, Rebecca ne va pas gagner si elle descend le long du serpent. Attendez. Et si on jouait à la course de billes? Oh oui, j'adore la course de billes. Oui, la course de billes. Mais j'étais en train de gagner, moi. Allez. Ouais. On dirait que ma bille rose est en train de gagner. Allez, on change. Et si on jouait au jeu du perroquet? Oh oui, j'adore le jeu du perroquet. Mais ma bille était en train de gagner. Je crois qu'il va exploser. Je ne veux pas voir ça. Allez, on change. Et si on jouait encore au jeu des pères? Père! Serpent et échelle. Peppa et ses amis adorent changer de jeu. En vérité, ils aiment tellement changer de jeu qu'ils ne savent plus qui est en train de gagner. Hey!
Alors, qui est le gagnant, Peppa? Je crois qu'on a tous gagné. Oh, bon sang! Je crois qu'il est temps de jouer à un nouveau jeu. Ça s'appelle Range le bazar. Cette voiture roulait vraiment très vite. Ne t'inquiète pas. Voilà pourquoi c'est important de t'arrêter, regarder, écouter et de toujours attendre de voir le bonhomme vert avant de traverser la chaussée. Le bonhomme vert! Vous vous rappelez bien ce que nous avons appris, les enfants? On s'arrête, on regarde et on écoute. La voie est libre, pas de voiture. Allons-y, maintenant on peut traverser. Aujourd'hui, Peppa et ses amis apprennent la sécurité routière. Bonjour papa. Bonjour Peppa. Bonjour les enfants. Bonjour Papa Pig. Oh, c'est vert. Eh bien, à plus tard Peppa. Merci de nous avoir aidés à traverser, policier panda. De rien, c'est mon travail. Peppa aide le policier panda à surveiller que tout le monde respecte les règles de sécurité routière. Il faut absolument que tu restes de ton côté de la route. Je suis désolée, Peppa, mais ma roue est coincée. On vient à ton secours. Pimpon, pimpon, pimpon. La route doit être sûre pour les voitures et pour les piétons. Oh. Pedro n'a pas vu que le bonhomme vert est devenu rouge. Pedro, le bonhomme est rouge. N'avance surtout pas. Merci beaucoup, Peppa. De rien, c'est mon travail. Petite minute, Freddy est déguisé en voleur. Allons vite attraper le voleur. Le feu est rouge, je dois m'arrêter. Tiens, il est là. C'est bon, on le tient. Freddy, es-tu déguisé en voleur parce que tu es vraiment un voleur? Non, j'aime juste les rayures. Donc tu n'es pas un voleur? Non. Oh, dans ce cas, tu peux partir alors. Mais surtout, sois prudent. Ok, au revoir Peppa. Beau travail, agent Peppa. Maintenant, tout le monde se souvient qu'il faut s'arrêter, regarder et écouter. Et ne traverser que quand il voit... Le bonhomme vert. C'est bon, on peut traverser. Ça, c'est mon travail, policier panda. Peppa aime protéger les gens. Et tout le monde aime se sentir protégé. Aujourd'hui, Peppa et Suzy Chip ont décidé de mettre leurs habits à l'envers. Au revoir, Suzy. Au revoir, Peppa. Peppa, Suzy, pourquoi portez-vous tous vos vêtements à l'envers? Et pourquoi marchez-vous à reculons? Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de l'envers. Tu dois tout dire et tout faire à l'envers. Non, on ne doit pas. Je vois, amusez-vous bien. Pas d'accord. Peppa et Suzy Chip se courent après dans le jardin en marche arrière. Touché. À toi de me frapper. C'est très difficile de jouer à certains jeux à l'envers. Mister Boule est très confus de voir Peppa et Suzy Chip sautiller à reculons. Bonjour. Pourquoi avancez-vous à reculons? C'est la journée de l'envers. Alors, on doit absolument tout faire à l'envers.
La journée de l'envers, déjà? Je ferais bien de faire mes exercices à l'envers. Oh, oh, wow. Oups, désolé. Peppa et Suzy Chip passent la journée de l'envers à s'amuser au parc. La balançoire à l'envers, c'est pareil qu'à l'endroit. Mais tous les jeux ne sont pas aussi amusants à l'envers. Qui veut de la crème glacée? Ouais! Oups, on voulait dire non! Eh bien, dites-moi, je vois que vous passez une belle journée de l'envers. Ah, je vais manger ma crème glacée à l'envers. La tête en bas, ce n'est pas tout à fait pareil que faire les choses à l'envers. Tout cela est très perturbant. Bon, eh bien, je crois que la journée de l'envers est terminée. Peppa et Suzy Chip se sont bien amusées. Mais elles sont bien contentes que tout ne soit plus à l'envers. Ouais. Peppa et sa famille voyagent en avion. Youhou! Ouais! J'adore prendre l'avion, c'est trop chouette! Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Oh, bonjour Madame Gazelle. Georges et moi, on adore l'avion. Vous aimez aussi, vous? Ah, Peppa, en vérité, aujourd'hui, c'est mon tout premier vol et j'ai peur. Je crois que j'ai la solution. Mademoiselle Rabbit, vous pouvez faire voler l'avion vraiment, vraiment très haut? Oui, et pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est rigolo quand l'avion vole aussi haut! Madame Gazelle, regardez! Nous sommes presque dans l'espace! Pouvons redescendre, Mademoiselle Rabbit? Oui, certainement. C'est trop bas! C'est beaucoup trop bas! Ah! Et si on faisait un looping, alors? Oh, ça ne marche pas non plus, Georges! Regardez, Madame Gazelle! Ce nuage me fait penser à un oiseau. Vous aussi? Oui, oui, c'est vrai! Ah, et celui-là ressemble à une île déserte tranquille. Dinosaure! Non! Je vais simplement fermer les yeux et attendre qu'on soit arrivé. Raté. Bonjour, voulez-vous un livre d'activité? C'est très amusant. Oh oui, avec plaisir. Est-ce que vous avez envie de colorier avec nous, Madame Gazelle? Eh bien, cela devrait peut-être me changer les idées, Peppa. Ainsi, Peppa, Georges et Madame Gazelle ont fait du coloriage pendant le reste du voyage. Quelle surprise! Oh, ces traits, ces détails, ces couleurs, ces courbes, c'est superbe! C'est une véritable œuvre d'art! Oh! Hourra! On a atterri! Oui! Déjà? Oh, je m'amusais si bien! Je n'avais absolument pas peur du tout! Je vous l'avais dit, l'avion, c'est vraiment rigolo! Merci de m'avoir aidé, Peppa et Georges. J'ai hâte de reprendre à nouveau l'avion. Bébé Alexandre et sa famille viennent souhaiter un joyeux Noël. Mais bébé Alexandre n'est pas très content. Pourquoi bébé Alexandre pleure-t-il? C'est marrant les fêtes!
C'est le premier Noël de bébé Alexandre. Il ne sait pas à quel point c'est amusant. Oh, alors rendons son Noël encore plus amusant. Je vais lui montrer mes activités de Noël préférées. J'adore le repas de Noël. Il y a des carottes, des pommes de terre, des choux. Oh. Non, tu es censé le manger, pas le jeter. Essayons autre chose. C'est rigolo d'emballer les cadeaux, qu'est-ce que tu en penses? Tu pourrais mettre le nœud. Oh non, on doit les emballer pour que les gens puissent ensuite les ouvrir. Bébé Alexandre trouve que déballer les cadeaux est plus amusant que les emballer. Oh. Je crois que bébé Alexandre n'aime pas du tout Noël. Ah oui, il s'est amusé avec toi toute la journée. Oui, mais je voulais rendre cette journée spéciale pour lui. Mais enfin, passer Noël avec sa cousine est un moment spécial, Peppa. Mais maman, il fait n'importe quoi. Alexandre n'est qu'un tout petit bébé. Et si, par exemple, tu trouvais des choses beaucoup plus simples qu'il pourrait faire? Un Noël pour les bébés? Oh, je crois que j'ai une idée. Bébé Alexandre aime distribuer les cadeaux de Noël. Merci, bébé Alexandre. Ce cadeau est pour maman. Et il aime beaucoup les activités de Noël. Oh. Bravo, bébé Alexandre. Et la musique. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an. Et bonne année, grand-mère. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est passer Noël avec Peppa. Parfait. Nous n'oublierons jamais le premier Noël d'Alexandre. Aujourd'hui, Peppa et George ont décidé de porter les habits d'adultes de papa et maman. Bon sang, c'est qui ces deux adultes qui sont dans notre chambre, maman Pig? Je suis pas un adulte, c'est moi, Peppa, et là c'est George. Vous êtes tous les deux très chics, mais pourquoi avez-vous mis nos vêtements? On voulait s'habiller tout seul aujourd'hui. Eh bien, vous avez l'air de deux grandes personnes. Mais je pense que nos vêtements sont un petit peu trop grands pour vous. Oui, c'est un petit peu large, c'est vrai. Ces vêtements vont beaucoup mieux. Finalement, Peppa et George ont décidé de porter leurs propres vêtements. Maintenant, vérifiez que vous avez choisi les bons vêtements pour le temps qu'il fait dehors. Aujourd'hui, le soleil brille et il fait chaud. Oh. Vous pensez que ces vêtements iront pour une journée ensoleillée? Non, ils tiennent un peu trop chaud. Et ils sont un peu lourds aussi. Peppa et George ont trouvé des vêtements d'été à enfiler. Voilà qui est beaucoup mieux. Maintenant, vérifiez bien que vous avez choisi les bons vêtements pour vos activités de la journée. On va à la garderie. Mais d'abord, on veut sauter dans des flaques de boue. Flac ! Quel dommage. Peppa et George ne portent pas les bonnes chaussures pour sauter dans des flaques. Vous ne devriez pas plutôt porter des bottes aux pieds? Je pense qu'on devrait porter des bottes, en fait. C'est une très bonne idée. Oh.
Merveilleux. On est prêt, c'est bon? Presque, papa. Je veux juste essayer une dernière chose ou deux. Bonjour, les enfants. Waouh, quelle belle tenue vous avez là, Peppa et George. Et ils ont choisi leurs vêtements tout seuls. Ah ça oui, je vois. Et quelle belle botte. Pour sauter dans des flaques de boue, vous devez porter des bottes, Madame Gazelle. Bien sûr. Peppa et George adorent sauter dans des flaques de boue. Heureusement que j'ai eu la bonne idée d'apporter mes bottes aujourd'hui, moi aussi. Et Peppa prend un délicieux petit déjeuner. Mais où sont passées les céréales? Poisson d'avril. Poisson d'avril? C'est quoi ça? Aujourd'hui, c'est la journée des fous. Pendant cette journée, les gens s'amusent à faire de petites farces, comme je viens de le faire avec tes céréales. J'aime bien les petites farces. Et est-ce qu'on peut en faire une à papa? C'est une superbe idée. Papa Pig lit sur le canapé. Mais Maman Pig et Peppa Pig viennent lui jouer un vilain tour. Est-ce que tu pourrais me passer mes lunettes, s'il te plaît, Maman Pig? Bien sûr. Peppa Pig et Maman Pig font une farce à Papa Pig. Ah, merci beaucoup. C'est étrange. J'ai bien plus de mal à voir avec mes lunettes que d'habitude. Poisson d'avril. Je n'avais pas vu, ce sont de fausses lunettes. C'est vraiment très drôle. Mais vous ne m'aurez pas une deuxième fois, croyez-moi. Je suis bien trop malin pour me faire avoir. Peppa prépare une autre plaisanterie à Papa Pig. J'arrive pas à ouvrir cette boîte de chips. Est-ce que tu peux m'aider, Papounet? Mais bien sûr, Peppa. J'ai eu une de ces peurs. Poisson d'avril. Tu m'as encore piégé, Peppa. C'est vraiment bien joué. J'ai une idée. Est-ce que ça te dirait de m'aider à faire un poisson d'avril à Maman Pig, Peppa? Peppa et sa famille ont fini de dîner et passent maintenant au dessert. Peppa et moi avons préparé un bon gâteau au chocolat pour le dessert. Pas vrai, Peppa? Oui. Comme c'est gentil, il a l'air délicieux. Non? Ma fourchette n'a pas l'air de fonctionner. Et c'est avec les mains, Maman Pig. Peppa et Papa Pig jouent un tour à Maman Pig. Attendez, ce n'est pas un gâteau. C'est une éponge couverte de glaçage. Poisson d'avril. C'était une très bonne blague. Tiens, ça me fait penser que George a rapporté des biscuits pour toi, Peppa. Super. Merci, George. J'adore les biscuits. Poisson d'avril. Peppa adore les poissons d'avril. Tout le monde adore. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au musée. Regarde, George! Ce dinosaure a une sœur, une maman et un papa. C'est toute une famille de dinosaures. Peppa adore le musée. Mais le voilà qui ferme. Merci de votre visite. À bientôt! Mais je ne veux pas partir. Nous ne sommes pas obligés de partir. Peppa, ce soir, nous passons la nuit dans le musée. Ouais. Qu'est-ce qu'on devrait faire en premier pendant cette soirée? Mangeons un festin de minuit. Miam, miam. Bon appétit, tout le monde. Oh là là, cette orange est vraiment dure. Toute la nourriture du festin de minuit est en plastique. Que devrait-on faire maintenant, Peppa? Peppa! Maman Pig ne sait pas où Peppa est passée.
Je suis là. Je suis un viking. Moi aussi, je suis un viking. Viking. Et moi aussi, je suis un viking. Enfin, je veux dire un mammouth laineux. Tout le monde s'amuse beaucoup à fuir le terrible mammouth laineux. Je vais vous attraper, les enfants. Mais à force de courir partout, tout le monde est fatigué. Je crois qu'il est l'heure d'aller au lit. Trouvons un endroit où nous pourrions dormir. Oui! Bonne nuit, tout le monde! Le jour s'est levé et beaucoup de visiteurs sont venus au musée. Oh! Ouah! Regarde ces vikings! Papy, regarde! Et quel beau mammouth! Oh, ce mammouth! On dirait un vrai! Tout le monde pense que Peppa et sa famille font partie du musée. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouf, ce n'est pas un viking! C'est Peppa! Ça alors? Nous n'avons pas simplement dormi dans le musée, non! Nous avons très bien dormi! Peppa arrive à la garderie. Bonjour, Madame Gazelle. Bonjour, Peppa. Tu arrives juste à temps pour un jeu très spécial. Madame Gazelle a séparé la pièce en quatre couleurs. Rouge, bleu, vert et jaune. Maintenant, tu peux rejoindre l'équipe verte, Peppa. Et voici ton maillot. Et voilà. Pour jouer à ce jeu, je vais vous donner une catégorie. C'est quoi une catatagorie, Squeak? Une catégorie est un groupe de choses. Je vais vous dire une catégorie et vous devrez trouver des objets qui ont la même couleur que vous. Donc, si je vous dis nourriture... Ça veut dire qu'on doit trouver de la nourriture. Attendez, c'était juste un exemple. D'accord, c'est parti. Tout le monde a hâte de jouer à ce jeu. Oh, des bananes! Celles-ci sont vraiment très jaunes. Les tomates sont rouges. Comme nourriture bleue, Suzy Chip a choisi la myrtille. Squeak, rien n'est plus bleu qu'une myrtille. Cette feuille est verte. Malheureusement, Peppa, ce n'est pas de la nourriture. Tu ne peux pas manger cette feuille. Mais les chenilles peuvent, elles. Oh! Bravo! Je crois que la prochaine catégorie est jouets. Alors, je vais vérifier sur ma liste que... Que j'ai perdu. Tous les enfants de la garderie adorent chercher des jouets. C'était trop facile. Moi, je veux une autre catégorie. Tu veux laquelle? Tous les objets. Madame Gazelle met beaucoup de temps à retrouver sa liste. Trouvé! Maintenant, nous allons reprendre notre... On a fini le jeu, Madame Gazelle. Nous avons trouvé tous les objets de la pièce, madame. Eh bien, dans ce cas, jouons à un autre jeu. Nous allons remettre chaque objet à sa place. Peppa s'amuse comme une folle dans la neige avec ses amis. Il ne fait pas très chaud. Mais chaque jeu auquel ils jouent semble les recouvrir de neige bien froide.
Peppa, tu as de la neige de partout. Tu devrais vite rentrer te mettre au chaud. Sinon, tu vas te transformer en monstre des neiges. Mais papa, les monstres des neiges n'existent pas. Est-ce qu'on peut jouer encore 5 minutes? S'il te plaît. Bon, très bien les enfants, encore 5 minutes. Ouais. Eh bien, Peppa et ses amis jouent à plein de jeux dans la neige. L'idée de se transformer en monstre des neiges ne les intéresse pas du tout. Faisons une bataille de boules de neige. Ouais. Tu ne me toucheras jamais, Peppa. C'était quoi ce bruit? On aurait dit un... Quelqu'un a-t-il vu mes lunettes? Monstre des neiges! Vite, allons-nous cacher! Bon sang! Cachons-nous ici, allez! Ouf! Le monstre des neiges ne nous trouvera jamais ici! Le monstre des neiges les a retrouvés. Peppa, c'est moi. Oh, mais ce n'est pas un monstre des neiges. C'est Papa Pig. Je vous avais bien dit que ça n'existait pas, les monstres des neiges. Viens, papa, on va te réchauffer et faire fondre toute cette neige. Et retrouver mes lunettes tant qu'on y est. Oh, oh. Vos lunettes sont là. Merci, Suzy. Papa Pig est bien content d'être rentré se mettre au chaud. Il n'est plus un monstre des neiges. Tout le monde se réchauffe en buvant un bon chocolat chaud. Les monstres des neiges aussi aiment le chocolat chaud. Attrape, Peppa. Aujourd'hui, Peppa et ses camarades découvrent le football américain. Viens ici, toi. Oh, oh là là, c'est fou ce qu'il rebondit, cet œuf. Ce n'est pas un œuf, c'est un ballon de football. Non, les ballons de football sont ronds. Oui, et on ne le lance pas, on le frappe du pied. Ce football un peu spécial vient des États-Unis. Les ballons de football américains ont une forme d'œuf. Et sont faits pour être lancés. Stupide œuf ball. Œuf ball, œuf ball, œuf ball. Peppa et ses camarades sont habillés comme les joueurs de football américain. Vous êtes tous super dans vos tenues. Quelle allure, Pedro! Toutes les équipes ont besoin d'une mascotte. Cocorico! Voilà, vous êtes prêts à jouer au football américain. Je voulais dire à l'œuf ball. Œuf ball! Hop! Pour gagner des points à l'œuf ball, vous devez vous entraîner à attraper la balle. Je l'ai. Vous pouvez aussi marquer des points en frappant la balle à travers de grands buts, comme ceci. Peppa, veux-tu essayer d'envoyer la balle dans les buts? Avec le pied? Comme au football normal? Je sais faire ça. Je ne trouve pas le football aussi amusant que le football normal. Suzy, veux-tu essayer à ton tour? Oh!
Peppa attrape la balle et marque un point. J'ai réussi! Et maintenant, la meilleure partie du football américain, je veux dire de love ball, quand on marque un point... On fait une petite danse. Peppa et ses amis... Peppa et sa famille emmènent bébé Alexandre sur la grande roue. Mais il n'est pas très content. C'est quoi cette odeur? Burk, c'est bébé Alexandre. Il faut changer sa couche. Oh. Mais on arrive à la fin de la queue pour le grand moumou. Burk, vite que tout le monde se bouche le nez. Mais ces trous ne sent vraiment pas bon. Désolé, Peppa, mais nous devons nous occuper de bébé Alexandre. Si on l'aide maintenant, on pourra jouer après. C'est vrai. Il faut toujours aider bébé Alexandre. Bien dit, Peppa. Allons chercher un endroit pour changer sa couche. Ah, ça va bien mieux. Rien ici. Oh. Oh. Ici non plus. Oh. Et encore moi ici. Ici. Bravo, Peppa. Nous avons trouvé la table allongée. Eh bien, d'abord, on enlève la couche pleine et on la jette à la poubelle. Où est la poubelle? La poubelle est ici. Oh. Maintenant, lavons-nous les mains. Mettons un peu de crème. Oups, désolé, Peppa. Et enfin, une couche toute propre. Je peux le faire, papa? Bien sûr, Peppa. Là, voilà qui est mieux. C'était trop amusant. J'avais jamais changé de couche avant. C'est du très beau travail, Peppa. Mais tu sais ce qui est beaucoup plus amusant que changer une couche? La grande roue! Bonjour tout le monde! Bonjour, Peppa! Maman Pig dépose Peppa à la garderie. Mais aujourd'hui, Maman Pig s'occupe aussi de bébé Alexandre. Oh, bon sang! Est-ce que je pourrais changer la couche sale d'Alexandre avant de repartir, Madame Gazelle? Bien sûr, allez-y! Oh, on peut aider à le changer? Pitié! Très bien. Pouvez-vous me passer la crème hydratante dans le sac à langer? Et une couche propre! Oh. Tout le monde est content d'aider Maman Pig à changer la couche de bébé Alexandre. Et voilà, propre comme un sou neuf. Est-ce que bébé Alexandre peut jouer avec nous? Pitié! Eh bien, je ne vois pas de problème à ça. Ouais! Peppa montre à bébé Alexandre ses activités préférées à la garderie. Ça, ce sont des livres. Oh. Bébé Alexandre aime tous les livres. Et ça, ça représente le monde. Il aime aussi faire tourner le globe. Et elle, c'est Madame Gazelle. Eh bien, bonjour, mon petit Alexandre. Oh. Mais c'est Madame Gazelle qu'il aime le plus. Oh, est-ce que ça vous dirait de faire un petit peu de peinture? Chacun peint son propre visage.
On appelle ça des autoportraits. Je suis Peppa Pink. Bonjour. Salut Peppa. Moi, c'est Freddy. Moi, c'est Suzy. Et moi, c'est Gérald. Bravo, bébé Alexandre. On dirait une délicieuse petite pomme. La peinture de bébé Alexandre a rappelé à Peppa qu'il est l'heure de déjeuner. Pour bébé Alexandre aussi, c'est l'heure du déjeuner. Il mange de la nourriture pour bébé. Voilà le train, Alexandre. Toutou. Est-ce que bébé Alexandre aime sa nourriture, maman? Oh, on dirait bien. C'est pas vrai. Est-ce que je peux le changer une nouvelle fois avant de partir? Oui, je vous en prie, oui. Oh, je vais chercher le sac. Tout le monde adore recevoir bébé Alexandre à la gare. C'est rigolo, c'est tout moelleux. Aujourd'hui, Peppa et ses amis jouent à plein de jeux. Oh, on dirait de la gelée. Gagné. On dirait une banane. Encore gagné. Oh, ça a aussi le goût de la banane, c'est bon. À ton tour, Pedro. Oh, mais Madame Gazelle, moi je ne veux pas toucher un truc tout ramolli. Ne t'inquiète pas, Pedro, nos trucs tout ramollis sont délicieux. Ah, c'est froid, en métal. Est-ce que c'est une clé? Oui, c'est ça. Bravo à toi, Pedro. Ouais. C'est la clé de notre super boîte mystère. Vous devez en trouver deux autres pour découvrir la surprise. Oh, wow. Et où est-ce qu'on peut trouver les autres, Madame Gazelle? Eh bien, dans notre prochain jeu, bien sûr. Voici des piñatas. Vous devez trouver les surprises à l'intérieur. Et comment est-ce qu'on fait ça? Vous devez les ouvrir en les cassant avec ces fausses battes. La mienne aussi, c'est rigolo. J'ai réussi. J'ai la deuxième clé. Plus qu'une avant de gagner le gros lot. J'ai cru que j'avais gagné. Oh là là, dis donc, qu'est-ce qu'elle est longue, cette chanson. Qu'est-ce qui se passe? La musique s'est arrêtée. Ouais. Maintenant que Peppa et ses amis ont trouvé les trois clés, il est temps de découvrir leur récompense. Mais vous avez tous réussi ensemble, Pedro. Aujourd'hui, Peppa admire les fleurs dans le jardin de Papy Pig. À tes souhaits, Peppa. Qu'est-ce que c'est que ce truc jaune, Papy Pig? On appelle cette chose le pollen. Les abeilles le transportent dans le jardin et aident les fleurs à pousser. Merci beaucoup d'aider les fleurs, petite abeille. Attention, Peppa. Tu ne devrais pas toucher cette petite abeille. Mais pourquoi, papy? Elle est toute poilue et si mignonne. Parce que tu es bien trop grande pour elle. Et cette abeille est toute petite. Alors, elle risque d'être effrayée par ta présence.
Tu sais, les abeilles peuvent piquer lorsqu'elles ont peur. C'est vrai? Oui. Alors surtout, sois toujours délicate avec elles et donne-leur beaucoup, beaucoup d'espace pour qu'elles soient tranquilles. Certaines personnes sont même allergiques à leurs piqûres. Peppa n'est plus très sûre d'aimer les abeilles. Mais les abeilles sont très gentilles et surtout utiles dans notre monde. C'est grâce à elles que nous avons ce merveilleux miel. J'adore le miel. Les abeilles fabriquent le miel dans des ruches. Comme celle que tu vois là-bas. Je peux regarder. Attends un petit peu. Il y a beaucoup d'abeilles dans la ruche. Alors tu vas devoir d'abord te changer. Je veux dire bzz, bzz. Peppa, Papi Pig et George portent des vêtements épais très spéciaux qui protègent leur tête, leurs mains et leur corps des piqûres d'abeilles. C'est parfait. Papi Pig montre à Peppa et à George une partie de la ruche. Toutes les abeilles habitent dans cette toute petite maison? Oui, tu as raison, Peppa. C'est là qu'elles fabriquent leur bon miel. Les abeilles travaillent en équipe pour rapporter de la nourriture et se protéger les unes les autres. Comme George et moi. On fait comme les abeilles, nous. Et que devient tout le miel que les abeilles fabriquent? Eh bien, lorsqu'on le récupère, on le met dans des pots comme ceci. Papi Pig récolte le miel tout frais dans un pot de verre. Et on prépare ensuite de délicieux sandwichs au miel pour le déjeuner. C'est le meilleur sandwich que j'ai mangé. Merci beaucoup, petite abeille. Peppa adore les sandwichs au miel. Et elle adore aussi les abeilles. C'est l'heure d'aller à la garderie, Peppa. Oh, Père Noël, déjà de retour, on dirait. Aujourd'hui, Peppa retourne pour la première fois à la garderie après Noël. Mais non, maman, c'est moi. Mais Peppa n'a pas envie que Noël soit fini. Oh, Peppa, c'est une très jolie tenue, mais je doute qu'elle soit faite pour la garderie. Mais maman, j'aime me déguiser en Père Noël. Je voudrais que Noël ne s'arrête jamais. C'est tellement amusant. Je sais, mais la garderie aussi peut être amusante. Tu ferais bien d'aller préparer ton sac. Bonjour, Peppa. Dis donc, ton sac est bien plein, on dirait. Et aussi bien lourd, en plus. Ouf. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Oh, j'ai juste mis quelques guirlandes pour faire briller la garderie. Je vois, oui. Un jouet que le Père Noël m'a offert. Quelle chance! Quelques sucres d'orge. Délicieux. Oh, et des choux de Bruxelles. Peut-être que pour la garderie, il y a des choses un peu plus utiles à apporter, non? Comme quoi? Que penses-tu de ces crayons pour colorier? Ou de ces bons fruits? Et un livre à lire? Oh, c'est le Père Noël qui m'a apporté ce livre! Quelle bonne idée! C'est l'heure d'y aller, Peppa! Oh, et si on prenait la luge pour aller à l'école? J'adore glisser à toute vitesse! Oui! C'est pas possible, Peppa. Il n'y a pas de neige sur le sol. Même le bonhomme de neige a presque tout fondu. Aujourd'hui, il va falloir prendre la voiture, Peppa. Oh, d'accord. Oh, je sais que tu es triste que Noël soit fini, mais je te promets qu'à la garderie, tu vas t'amuser comme une folle. Ce matin, tout le monde est content de retrouver Peppa à la garderie. Te voici de retour, Peppa. Tu t'es bien amusée pendant les vacances de Noël? Hé, Peppa, tu veux venir te déguiser avec moi, s'il te plaît? Oh oui, j'adore me déguiser. Ou alors, on pourrait lire un peu. Le Père Noël m'a offert un nouveau livre, regarde. Faisons la course sur nos trottinettes. Oh, avec
plaisir. Oh, c'est vrai que la garderie, c'est aussi amusant que Noël. Peppa aime vraiment Noël, mais Peppa est aussi... Attention, stop! Aujourd'hui, Peppa et sa famille se baladent à la mare aux canards. Mais une grosse barrière en métal barre la route. Je vous demande pardon, la route est fermée pour le moment. Mais la mare est juste là. Oh. Oui, mais c'est bien trop glissant. Suivez simplement les panneaux de déviation avec les grosses flèches rouges. Vous y serez vite. Une déviation, c'est quand tu dois prendre un autre chemin. Venez tout le monde, nous partons à l'aventure. À bientôt les canards. J'en ai trouvé une. Peppa a trouvé la première grosse flèche rouge. Puis une autre. Ah. Et encore une autre. Mais le cinquième panneau est tombé. On se lève, madame la pancarte. Personne ne sait quelle est la bonne direction. Devrions-nous aller à gauche ou à droite? Le droit chemin devrait être à droite. Oh, est-ce qu'on est perdu? Nous ne sommes pas perdus, c'est juste que nous ne savons pas où nous sommes. Quand on ne sait pas où on est, c'est qu'on est probablement perdu. Regardez, un canard! Bonjour, canard! Excusez-moi, madame la canne. Savez-vous où la mare aux canards pourrait se trouver? Quelle chance nous avons! Guide-nous, gentil petit canard! C'est le chemin des canards, papa. On doit tous se dandiner comme des canards. On va à la mare, alors bouge ton popotin. On va voir les canards faire coin, coin, coin. On va à la mare, alors bouge ton popotin. On va voir les canards faire coin, coin, coin. Peppa et sa famille sont arrivés à la mare aux canards. On a réussi! Ouais! Vous en avez mis du temps! Je parie que vous êtes ravis d'avoir pris la déviation. Oui, c'était bien plus marrant! Oh, et bien moins glissant! Aujourd'hui, des Olympiades ont lieu à la garderie. Il y a une équipe rose et une équipe bleue. Les deux essaient de gagner des médailles d'or. Rebecca Rabbit trouve la course en sac très difficile. Emily Elephant, de l'équipe rose, a gagné la course. Ouais! T'es une vraie flèche! Squeak! Oh non! Moi, j'ai perdu! Tu as fait ce que tu pouvais. Et on peut toujours gagner! Wouf! Maintenant, c'est l'heure de la course de cuillère. Plus vite, Peppa! Mais il est très difficile pour Peppa de courir vite en tenant son œuf. Doucement, Peppa! Ne fais pas tomber l'œuf! D'accord! Va doucement, Dani! Doucement non plus. Ralentis. Accélère. Ralentis. Maintenant, accélère. Squeak. Non. Oh. On a réussi! On a gagné la course! Wouf, wouf! Les deux équipes sont à égalité.
Le prochain jeu est le lancer d'anneaux. L'équipe qui accroche le plus d'anneaux au piquet en bois gagne les Olympiades. Alors, il y a un point dans chaque équipe. Et un autre point pour chaque équipe. Il y a toujours égalité. Rebecca et Freddy, c'est à vous. Oh. Mais si je rate mon lancer, on aura perdu. Ouf ! Ne pense surtout pas à la victoire et fais de ton mieux. Et surtout, amuse-toi comme une folle. On s'est amusé comme des fous quand même. Oui, tu as raison, Peppa. Bravo, équipe Rose. Vous gagnez les médailles d'or. Et l'équipe bleue a bien joué aussi. Alors, elle gagne les médailles d'argent. Oui. L'équipe Rose et l'équipe bleue adorent les Olympiades. Tout le monde adore les Olympiades. C'est la Saint-Valentin. Peppa et Georges préparent un dîner très spécial pour maman et Papa Pig. Papa Pig aide les enfants. Oh. Ourson de bois. On prépare des pizzas spéciales pour la Saint-Valentin, Mamie Pig. Parce que la Saint-Valentin sert à montrer à nos proches qu'on les aime énormément. Attendez. On pourrait faire des pizzas en forme de cœur. Et maintenant, les enfants, on jette la pâte dans les airs, comme on le fait toujours à Rome. C'est une ville en Italie, figurez-vous. Oh. Oh. Comme on le fait à Rome. Oh. Oh non. On peut peut-être recouvrir les grumeaux avec des légumes du jardin. Maman et Papa Pig ne comprennent pas ce qui se passe. Peppa et Georges récoltent des légumes. Il y aura plein de garnitures différentes sur nos pizzas. Ramenons ces légumes à l'intérieur. Peppa et Georges ajoutent des légumes sur leur pizza. Je sais comment rendre les pizzas encore plus spéciales. On peut ajouter la nourriture préférée de maman et Papa Pig. Bonne idée, Peppa. Quels sont leurs plats favoris? Les spaghettis et le gâteau au chocolat. On devrait dessiner maman et papa sur nos pizzas. Peppa et Georges créent des visages avec les garnitures de leurs pizzas. Là, c'est vraiment spécial. Georges! Et voici vos pizzas super spéciales de la Saint-Valentin. Du gâteau au chocolat, mon plat préféré. Un dinosaure en spaghetti. Merci, Peppa et Georges. C'est trop beau, je n'ose pas la manger. Maman et Papa Pig trouvent leur pizza de la Saint-Valentin très spéciale, eux aussi. J'en ai un! Il est énorme! Mamie Pig a demandé à Peppa et à Georges d'aller chercher des fruits et légumes pour le déjeuner. Le premier de la liste est un fruit qui peut être rouge ou vert. Qu'est-ce que c'est, à votre avis? Georges, on n'a pas
le temps de manger. On doit trouver des fruits pour le déjeuner. Oh, une pomme! Il y en a des rouges et des vertes. Maintenant, on doit trouver un légume qui est long, qui est orange et qui est croquant. À vous, les enfants! Je sais! Rebecca Rabbit apporte toujours des carottes à la garderie. Elles sont longues, oranges et croquantes. Papy, où se trouvent les carottiers? Tout ne pousse pas sur des arbres, voyons. La plupart des légumes poussent dans la terre. Je vais t'aider, Georges. Le prochain est un légume qui ressemble à un petit arbre. Je ne vois que de grands arbres ici, papy. Des petits, il n'y en a pas. Ses pieds ressemblent à de petits arbres. Ce sont des brocolis. Bravo, Peppa. Et pour finir notre liste, des oranges. C'est étrange, je ne me souviens vraiment pas avoir fait pousser des oranges. S'il y a des oranges ici, Georges et moi allons les trouver, papy. Peppa et Georges fouillent partout à la recherche d'une orange. C'est orange, En effet, c'est bien de la bonne couleur, mais ce n'est pas ce qu'on cherche, Peppa. Les oranges sont rondes. Mais ils n'en trouvent nulle part. Alors voyons, c'est de la bonne couleur et c'est rond. Mais ça s'appelle une citrouille. Oh. Ah, des oranges! Mais où est-ce que tu as trouvé ces oranges, mamie? On a cherché partout. Au supermarché, évidemment. Venez! Le feu d'artifice va bientôt commencer. Il y a un feu d'artifice et Peppa est ravie. Regarde devant toi, Peppa. Elle adore regarder les feux d'artifice. Waouh! Ouf! Bonsoir, Peppa. Tu arrives juste à temps. Attention, le feu d'artifice va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1. Ces feux d'artifice vont vraiment très haut. Peppa trouve les feux d'artifice très bruyants. Ça me fait drôlement mal aux oreilles, papy. Ma pauvre. Et si on allait un petit peu plus loin? Ça ferait moins de bruit si on reculait. On va aller tout derrière. Le feu d'artifice me fera beaucoup moins mal aux oreilles. Très bonne idée. On vient avec vous. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Pardon, désolée. C'est encore nous. Est-ce que ça va mieux, Peppa? Oui. Merci beaucoup, Danny. Parfait. Maintenant, on va tous pouvoir profiter du beau feu d'artifice dans le ciel. Oh là là, il y a plein de couleurs. Rouge et bleu. Et vert. Oh, et jaune. Peppa passe un bon moment en regardant le feu d'artifice. C'est l'heure du grand bouquet final. Attention tout le monde, attachez vos ceintures. Grand? Ça veut dire que ce sera plus fort? Oh non! Mais alors, comment on va faire? Mais on ne peut pas aller plus loin que ça. Le mieux serait de rentrer à la maison. Mais mamie, moi je veux voir le feu d'artifice. Je veux juste pas l'entendre. Ouaf! J'ai trouvé! Tu sais, parfois, moi, quand je trouve qu'il y a trop de bruit dans le garage de papy, eh bien, j'utilise ceci. Un casque?
Oui. Il couvre tes oreilles et rend les bruits beaucoup, beaucoup moins forts. Tu veux les essayer, Peppa? Je n'ai pas nécessaire de crier, Peppa. On n'entend même plus le feu d'artifice. Aujourd'hui, à la garderie, Madame Gazelle a préparé une surprise. Oh, Madame Gazelle, on fête encore Halloween? Je vais me déguiser en sorcier. Je vais me déguiser en arbre. Squeak, eh bien moi, je vais me déguiser en arbre sorcier. Non, les enfants, les citrouilles ne servent pas seulement à fêter Halloween. On s'en sert aussi pour célébrer une fête venue des États-Unis qui s'appelle Thanksgiving. Oh, est-ce que je peux quand même me déguiser en arbre sorcier pour Thanksgiving? Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas. Pour célébrer Thanksgiving, les gens fabriquent aussi ce qu'on appelle une corne d'abondance. Hein? Une corne de quoi? C'est quoi ce nom bizarre? Une corne d'abondance. C'est un panier en forme de corne dans lequel on met des fruits et des légumes que nous récoltons en automne. Nous allons fabriquer notre corne d'abondance. Ah! Merci beaucoup! Je suis tellement reconnaissante d'avoir des fruits et des légumes frais. On raconte même que les cornes d'abondance se remplissent toutes seules par enchantement une fois que nous les avons vidées. Oh, celle-ci aussi va se remplir toute seule? Je n'en suis pas certaine. Les enfants remplissent leurs cornes d'abondance avec des choses pour lesquelles ils sont reconnaissants. Oh, je suis reconnaissant d'avoir des glands et des citrouilles. Wouf! Et moi, je vais ajouter cette barre chocolatée de ma boîte à repas. J'adore le chocolat! Oh, j'en mange juste un tout petit morceau. Oh, et puis zut, rien ne vaut l'emballage de toute façon. On a vraiment eu chaud. Votre corne d'abondance est magnifique. C'est l'heure de rentrer. Et Peppa montre à Papa Pig et à Maman Pig ce qu'elle a appris. Ça, c'est une corne d'abondance. À Thanksgiving, elle nous rappelle d'être reconnaissant d'avoir toute cette délicieuse nourriture à manger. En effet, c'est très joli. Oh, mais ta corne d'abondance me rappelle surtout à quel point j'ai très faim. Oui! Peppa et Suzy font semblant d'être des policières. Oui, 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 police! Nous allons vous aider! Merci, mesdames les policières! À votre service! Maintenant, nous devons retourner résoudre des crimes! Oui, oui, oui! Oh, bon sang! Que se passe-t-il, Madame Gazelle? Oh, j'ai bien l'impression que mon super stylo préféré n'est disparu. Oh, on dirait bien qu'il y a un mystère. Soyez tranquille, la policière Suzy et moi-même allons résoudre cette affaire. Peppa et Suzy cherchent des indices pour retrouver le super stylo. Elles se servent d'une loupe pour que les petits objets paraissent plus grands. T-shirt de Danny Dog. Tu n'aurais pas vu le super stylo, Danny? Non, je ne crois pas, non. Eh bien, nous ferions bien de t'emmener au poste de police pour te poser quelques questions. Peppa et Suzy ont créé un faux poste de police pour pouvoir poser des questions à tout le monde sur le super stylo disparu. Pour cela, elles ont utilisé des livres et des coussins.
C'est n'importe quoi. Ce poste de police n'a même pas de porte. Mais c'est un très bon endroit pour lire, sinon. Peppa et Suzy interrogent tout le monde à propos du super stylo. Elles ont aussi amené Candy Cat au faux poste de police. Candy Cat, te rappelles-tu de quelle couleur est le super stylo? Rouge, non, vert ou peut-être rose. Non, bleu. Tu nous as bien aidés. Fouillons toute la pièce. Ce super stylo bleu doit bien se trouver quelque part. Peppa et Suzy cherchent le super stylo dans chaque recoin. Mais elles ne le trouvent nulle part. Je ne le trouve nulle part. J'ai une super idée. Maintenant, c'est Madame Gazelle qui répond aux questions dans le faux poste de police. Quand avez-vous vu votre stylo pour la dernière fois, Madame Gazelle? Alors, si je réfléchis, je l'ai utilisé ce matin, puis je l'ai mis derrière mon oreille et... Oh! Il est là! Ouais! Le super stylo de Madame Gazelle était derrière son oreille depuis le début. On l'a retrouvé! On a résolu ce mystère! Merci beaucoup de m'avoir aidé, Peppa et Suzy. Je suis sûre que vous seriez des... Ouais! Bonjour, je suis le roi Peppa. Une nouvelle journée commence à la garderie et tout le monde s'amuse à imaginer Peppa en roi. Je suis le roi et j'ai décidé que tout le monde devait manger plein de nourriture. Bien sûr, votre majesté. Ouais! Peppa aime beaucoup être le roi de la garderie. Et elle adore aussi les festins. Miaou! Regardez, je vous ai apporté quelques raisins secs, Madame le roi. Oh, merci, Candy! J'adore les raisins secs! Mais je commence à ne plus avoir faim. Est-ce que je peux être le roi maintenant un moment si vous n'avez plus faim, roi Peppa? Bonne idée! Tiens, ta couronne, roi Pedro! Maintenant, Pedro Pony est le roi de la garderie. Moi, j'ai décidé que tout le monde devait... sautiller. Dites-nous pourquoi, votre grandeur? Parce que sautiller, c'est amusant! Le roi Pedro a raison. C'est marrant de sautiller. Tu sautilles très bien, Dani! Ouaf! Merci beaucoup, roi Pedro! Hop, hop, hop! Roi Pedro, vous avez dit que tout le monde devait sautiller! Ça veut dire que vous devez sautiller comme nous! Oh mais oui, tu as raison! Hop, 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 hop! Dis-moi, as-tu envie de devenir le roi Candy Cat? Oh, miaou! Avec plaisir! Maintenant, c'est Candy le roi. En fait, j'ai décidé que tout le monde devait parler vraiment tout doucement. Et maintenant, tout le monde doit parler fort. Maintenant, tout doucement. Fort! Tout le monde adore les règles que le roi Candy et le roi Dani imposent. Doucement! Fort! Et maintenant, c'est Georges le roi. Dinosaure! Ouais! Le roi Georges a décidé que tout le monde devait dinosaurer. Tout le monde adore être le roi de la garderie. Mais tout le monde aime encore plus être un dinosaure. Boing, 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 boing. Émilie éléphant rebondit sur un ballon sauteur. Hé, Émilie, pourquoi est-ce que
tu rebondis sur le sable? Eh ben, c'est ma nouvelle bonne résolution. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un défi que tu dois relever pendant toute l'année. Le mien, c'est de rebondir. Oh, moi aussi, je veux avoir une bonne résolution. Peppa et ses amis vont faire leur propre résolution pour la nouvelle année. Je vais marquer 1 million de buts. Oh. Wouf, wouf. Oh. 1, 3, 2. Maintenant, je ne vais parler qu'en yaourt. Bli bla blou, bla bla bli, blou blou bla 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 bli blou. Moi, je vais devenir un tigre. Alors, moi, comme révolution, je vais sauter dans les flaques de boue. Mais d'abord, je dois en trouver une. Oh, 6, 1, 9, 4. Danny Dog n'arrive plus à compter et commence à fatiguer. Les rugissements de Candy Cat ont fait peur à Émilie Éléphant. À cause de ça, Émilie Éléphant a perdu son ballon sauteur. Hé, où êtes-vous, petite flaque? Peppa ne trouve pas de flaque de boue. Tu n'aurais pas vu des flaques de boue, Suzy? Non, désolée. Je voulais dire blow, blé, blow, blé, blow, blé, blé. Tout le monde trouve les bonnes résolutions bien difficiles à tenir. Qu'est-ce que vous fabriquez? Oh, on fait nos réservations pour la bonne année. Oh, 53. Moi, je dois sauter dans des flaques de boue. Mais je n'en trouve pas. Oh, mais les résolutions du nouvel an n'ont absolument rien à voir avec ce genre de défi. C'est vrai? Non, il faut choisir des choses utiles à faire pendant l'année. Par exemple, aider à laver la vaisselle. Ou ranger sa chambre. Ça m'a l'air bien plus facile que de marquer 1 million de buts, c'est sûr. Wouf! Parle pour toi. 131, 132... Aujourd'hui, Peppa et Émilie Éléphant s'amusent à la plage. Elles adorent. Regarde, Émilie, je suis un poisson. Oh, oh, je viens d'avoir une idée. Tu arrives à faire ça, Émilie? Tu retiens ton souffle? Non! Je me sers de ma trompe pour respirer sous l'eau. Sinon, c'est beaucoup trop long. Waouh! Qu'y a-t-il, Peppa? J'aimerais avoir une trompe comme celle d'Émilie pour respirer sous l'eau et pour regarder les poissons. J'ai une idée, viens avec moi. Tada! Mets ce long tube dans ta bouche et comme ça, tu pourras respirer sous l'eau. Comme Émilie avec sa trompe. Exactement, comme Émilie avec sa trompe. Pourquoi ta voix est totalement différente, Peppa? C'est à cause de mon tuba. Maintenant, je peux respirer sous l'eau tout comme toi. Regarde! Oh, non, Peppa! Oh, Peppa, fais bien attention! Le tuba ne marche pas du tout! Et en plus, l'eau a un goût horrible! C'est parce que l'eau est salée, Peppa! Tu dois refermer tes lèvres autour du tuba pour pouvoir respirer par la bouche sans que l'eau ne rentre. Il faut que tu prennes une profonde inspiration. Comme ça.
Peppa s'entraîne à respirer profondément. Veux-tu réessayer? Oui, allez. Et merci de l'avoir aidé, Lily. Et pour te débarrasser du goût de l'eau salée, Georges et moi avons peut-être une solution.